Salut à tous, Padmou pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo réponse au RPG Week saison 3, numéro 11, Checkpoint. Je sais que j'ai pas fait les autres d'avant. Peut-être qu'un jour je vais les faire, je ne sais pas encore. Je vais voir ça au fur et à mesure, là, je verrai. En tout cas, je voulais faire au moins Checkpoint, parler aussi de ce qui va s'en venir en 2021 pour Padbou. Au niveau jeu de rôle, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais vous avouer que Padbou a eu un petit down un peu de jeu de rôle, là, je sais pas. J'ai été un bout que ça me tentait moins. Je faisais mes sessions pareilles, mais... moins dedans, moins là, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est toute la situation ou quoi, mais bon, en tout cas. Vous avez remarqué aussi un petit, je vais peut-être me remettre à essayer de faire un peu de vidéo editing. Si vous avez vu ce qui s'est passé au début, l'introduction, les images, c'est ce que je joue présentement. Vous avez vu des genres de couvertures de jeu. Ça dit pas mal ce qui se passe dans ma vie au niveau jeu de rôle présentement. Et les autres images à la suite, ben c'est un projet, c'est ce qui s'en vient comme prochaine campagne. Très, très prochainement, en tout cas, si je trouve des joueurs, je vous en reparle à la fin du checkpoint. Donc, checkpoint, qu'est-ce qui se passe dans ma vie rôlistique présentement? J'ai trois... Je n'ai pas les campagnes, mais j'ai trois parties en cours. J'ai Shadowrun Anarchy, qui run, ça fait quand même un petit bout qui run, aux deux semaines. On a manqué quelques fois, pour toutes sortes de raisons, mais ça roule encore, et on a encore, en tout cas, moi j'ai encore autant de plaisir, j'espère que les joueurs en ont aussi. Mais je me dis que s'ils reviennent aux deux semaines, tu sais que ça doit être pas si tant pire pareil. Fait que oui, Shadowrun Anarchy. Pour ceux qui connaissent Shadowrun, ben c'est du Shadowrun. L'univers de Shadowrun. Anarchy, c'est juste que le système est plus simple. Beaucoup plus simple que l'original. Donc voilà. Ça, c'est comme maître de jeu. Session ou campagne comme maître de jeu que j'ai, c'est avec le système Faces de Jim Tornade, c'est le réseau bouclier. Ceux qui suivent la chaîne de Pilule Rouge, il met en Natural Play. Vous pouvez aller voir ça si ça vous tente. C'est de l'espionnage, c'est du contemporain, c'est un peu à la Mission Impossible. Ça aussi, j'ai beaucoup de plaisir en tant que maître de jeu et j'espère aussi que les joueurs en ont. Voilà. Ensuite, comme joueur, j'ai du Brigandine avec Rob Berger, mon oncle Marc et Christophe depuis le rouge. C'est Rob Berger qui est le maître de jeu. Encore une fois, on a beaucoup de plaisir. En tout cas, moi j'en ai. Vous en parlez vite. Ça aussi, c'est en Actual Play sur la chaîne de Christophe depuis le rouge. En tant que joueur, c'est le fun. La dernière session? Bon. je veux pas trop spoiler, mais disons que la prochaine, ceux qui suivent, vous allez voir des changements. Des gros changements. Et oui. J'en dis pas plus. Il va falloir écouter l'actual play ou nous suivre en direct. Pas ce soir, mais dimanche prochain. Maintenant, ça c'est le checkpoint, c'est ce que j'ai présentement. C'est quand même pas si mal, là. C'est pas si pire que ça. Trois sessions qui reviennent aux deux semaines. Fait que ça fait quand même pas si tant pire. Ensuite, ce qui s'en vient en 2021, ce que j'aimerais en tout cas, c'est que oui, je vais essayer de recommencer à faire un peu plus de vidéos. D'être un peu plus assidu là-dessus. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Je vais essayer, j'espère. On verra. On verra. C'est dans le temps comme dans le temps. Je ne sais pas. Des fois, j'ai comme des baisses de régime. Puis
ça me tente moins, d'autres fois ça revient. Fait qu'on verra, mais je vais essayer. Comme je parlais au début, les images, ceux qui ont marqué, c'est quelque chose, ça fait longtemps qu'il me trotte dans la tête. J'aime beaucoup le médiéval fantastique. Ceux qui me connaissent, et ça fait longtemps que j'en ai pas maîtrisé, et je veux en partir une campagne qui va s'appeler probablement Avant Arthur. Donc, ceux qui ont, si vous avez remarqué les images au début, ça va être surtout focalisé sur la mythologie celtique. Oui, et je trouve que ça n'a pas été. On ne voit pas ça trop souvent dans les jeux de rôle. On voit surtout, on va voir du viking, on va voir. Mais la mythologie celtique, c'est quelque chose que. Oui, le roi Arthur, tout ça, c'est Avalon, Morgane la Fée. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. C'est quelque chose que j'ai envie de jouer. J'ai envie de faire jouer. Et pourquoi avant Arthur, c'est que on sera pas. On oublie la légende du roi Arthur un peu. Ça va être dans le ton. Ça va être un peu avant. Les Celtes, les tribus, les clans. Puis on va aller vers le roi Arthur, vers l'époque. Le système, au début, je voulais prendre ça, pour ceux qui connaissent, qui traite exactement de ça. Mais comme on est en confinement, comme on peut jouer juste en ligne, puis on ne sait pas quand que ça va revenir, ben, ça va se faire en ligne. Ça prend une feuille de personnage de Roll20, parce que pour l'instant, j'utilise juste Roll20, et j'ai aucune connaissance pour faire des feuilles de personnage dans Roll20. Donc, le système utilisé va être Brigandine, mais Brigandine modifiée un peu. Je vais enlever certaines choses, je ne toucherai pas aux règles en tant que telles. Mais ceux qui connaissent Brigandine, c'est vraiment inspiré beaucoup de Warhammer première édition. Et ceux qui connaissent Warhammer première édition, en frais d'univers, on n'est pas trop dans le ton de ce que je vois, dans le ton des druides, des légendes celtiques. On n'est pas là, mais pas du tout. T'as le début des armes, les flintlocks, t'as toutes sortes de magies. Fait que donc ça va disparaître. La magie, sans modifier comment elle fonctionne, ils n'auront peut-être pas accès à tout. Mais ça va être du low fantasy. Est-ce que ça va être nécessairement dark? Peut-être pas, mais ce ne sera pas Jojo non plus. Fait que voilà, en 2021 pour l'instant, en tout cas comme maître de jeu, j'ai ça que je veux partir, en tout cas bientôt, comme j'ai dit. Quand je vais avoir trouvé, tu sais, je me cherche au moins un minimum de trois joueurs, quand je vais avoir trouvé, ben on va partir ça. Ensuite de ça, ben, il va y avoir la suite de Shadowrun Anarchy. Il va y avoir la suite du Réseau Bouclier. On achève peut-être la première saison. Je vais voir avec les joueurs s'ils veulent continuer, s'ils veulent prendre une pause, on verra. On va s'en parler. Puis il y a Brigandine qui continue avec Rob Burger tant et aussi longtemps que ça va être tenté, et que les autres aussi. Peut-être qu'un moment donné, on va changer le jeu. Je ne sais pas, mais pour l'instant, tout le monde est, je pense, très motivé par ça. Fait que voilà. C'était mon checkpoint, puis ce qui s'en vient pour 2021, en tout cas. Ce qui est dans les plans, ce qui est connu. C'est long une année, fait qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Merci de m'avoir écouté tout le monde, puis je vous dis à la prochaine. Ciao.